Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle boutique à Lille, spécialisée dans les produits pour geeks, et en particulier dans les produits rares, d'où le nom La Pièce Unique. Elle propose plusieurs types de produits, tout d'abord ce qu'on peut appeler les collectionnables. J'aimerais trop collectionner des figurines géantes dans ma chambre, mais j'ai pas trop de place. Ouais, c'est dommage. Celle-ci par exemple, elle est super réaliste, ça ferait trop bien dans notre chambre. Ouais, c'est vrai, et en plus elle est hyper réaliste. Pour en parler, je reçois Arthur. Bonjour. Alors parmi ces collectionnables, on peut citer les figurines, surtout les pop avec des modèles rares bien sûr. Il y a aussi les cartes, genre Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh. Rien d'autre ? Si si, il y a aussi tout un espace dédié à Warhammer. Et puis des BD, comics et mangas. Et aussi des vinyles. En plus, on peut revendre ou échanger ces anciens produits. Cool, merci à Arthur. Maintenant, parlons jeux vidéo. Alors, tu cherches quoi comme jeu ? GTZ ? Grand Theft Zelda. Ah ouais ? C'est quoi comme jeu ? C'est comme GTA, mais avec Link et Zelda, qui doivent faire des braquages. Ah ouais, ça a l'air super rare comme jeu. Ouais, super rare ! C'est tellement rare même que je n'ai jamais vu en fait. Salut Clément, alors les jeux vidéo à la pièce unique, c'est comment ? Salut Paul, et salut à tous. Ils sont spécialisés en rétro gaming, donc on trouve des anciennes consoles PlayStation, Xbox ou Nintendo. Et puis, plein de jeux pour aller avec. Pas mal, pas mal. Et on peut aussi jouer sur place. Ils ont 3 bandes d'arcade, donc on peut y jouer entre 2 visites de rayon. Ah ouais, carrément, bien ça. Et pour terminer, parlons vêtements et nourriture. Ah, un Ketiato Wasabi, mon préféré. C'est pas un peu piquant ça, le Wasabi ? Bah non, avec du chocolat, ça passe tout seul. Ça vient du Japon, c'est trop cool. Super bon. Salut Romain, tu vas donc nous parler de la nourriture et aussi des vêtements vendus à la pièce unique. Oui, question de vêtements, il y a des maillots de sport rares, genre basketball ou autre sport américain. Et puis aussi des sweats ou t-shirts geeks, avec Simpson, Disney, etc. Et toujours des modèles durs à trouver. Et au rayon nourriture ? Là, c'est toute épicerie et confiserie d'autres pays, surtout le Japon, les USA ou le Canada. On trouve des Twinkies fourrés à la banane, de la pâte à cookies américaine, des céréales Pokémon ou encore des Pringles au goût vraiment bizarre. Merci Romain et merci aussi à Arthur et Clément. La boutique se trouve 35 rue Ernest de Coninck à Lille et comme nous l'avons vu, c'est une chouette destination pour sortir entre copains pendant les vacances. Salut à tous, abonnez-vous et à bientôt.